Bonjour et bienvenue sur unboncoiffeur.fr. Aujourd'hui, on va parler des cheveux électriques et surtout comment éviter ce phénomène. Tout d'abord, vous devez choisir une brosse en matière naturelle comme en bois ou encore en poil de sanglier. Alors, vos cheveux seront beaucoup plus soyeux et beaucoup moins électriques. Ensuite, il faut les nourrir pour qu'ils soient plus faciles à coiffer et ainsi éviter l'apparition du phénomène électricité statique. Avec les changements de température, le vent, les cheveux se dessèchent beaucoup plus vite. Alors, une bonne nutrition des cheveux serait toujours bénéfique. Voici une petite recette à retenir. Alors, misez sur des après-shampoings et des masques nourrissants au moins deux fois par semaine. Alors, si vous avez les cheveux gras, déposez le masque sur les longueurs en évitant bien sûr les racines. Côté séchage, évitez d'utiliser un sèche-cheveux à des températures trop élevées. Privilégiez un sèche-cheveux ionique qui diffuse des ions négatifs et forme une vraie barrière antistatique. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous coiffer une fois les vêtements bien sûr enfilés et non pas l'inverse. Si après le séchage, les cheveux prennent leur envol, un peu de laque sur une brosse ou un peigne et finalisez le coiffage. Si après le coiffage, vos cheveux sont toujours électriques, vaporisez un peu de laque dans la paume des mains, puis appliquez sur la chevelure. J'espère que ces conseils vous apporteront une solution pour ne plus avoir les cheveux électriques. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Un lien direct est présent dans la description. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, désirs ou sujets que vous aimeriez que j'aborde juste en dessous. Et bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un avis sur votre coiffeur. Celui-ci profitera ainsi à l'ensemble des utilisateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci et à bientôt.